Bonjour à tous et bienvenue ici à Bourbon-Larchambault, ville haute de la première étape du Tour d'Auvergne. Ce sera le vendredi 24 juillet prochain. Nous en parlerons bien sûr avec l'ensemble de nos interlocuteurs aujourd'hui, mais on va présenter bien sûr dans un premier temps Anne Leclerc, adjointe à la culture et à la communication ici dans cette commune de Bourbon-Larchambault. Nous aurons aussi le plaisir bien sûr de parler du parcours et de l'étape plus spécifiquement avec Pierre Pouillet et Gérard Cambantou du comité d'organisation du Tour d'Auvergne. Anne Leclerc, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à Bourbon, ça c'est le mot-clé. C'est un plaisir vraiment de vous retrouver aujourd'hui dans cette commune de Bourbon-Larchambault et nous avons une ville véritablement très dynamique qui va accueillir ce tour d'Auvergne, une ville riche d'histoire. Bourbon, duc de Bourbon, naturellement il y a un lien très très fort et c'est véritablement une belle cité médiévale. Tout à fait et Bourbon, c'est 2000 ans d'histoire et au-delà. Et bien sûr, toute la partie, toute la vie des cires de Bourbon, puis des ducs de Bourbon, mais aussi Bourbon était connu par le, la qualité des eaux et les eaux par le thermalisme d'aujourd'hui qui on représente beaucoup pour Bourbon. Nous accueillons quand même, nous espérons cette année dépasser 4000 curistes. Donc c'est toute une histoire, histoire de l'eau. Même aujourd'hui, nous avons euh, voyagé et rendu, euh, pris connaissance, pardon, des différents monuments de Bourbon, et tout ça sous la pluie. Donc euh, c'est confirmé, c'est ville d'eau. Mais au mois de juillet, quand euh, le Tour d'Auvergne passera dans nos, dans notre cité, il fera soleil. J'en suis sûre. <laughs> Nous parlerons bien sûr un peu plus précisément dans quelques instants du thermalisme dans cette ville de Bourbon-Larchambault, mais on va aussi parler donc de ce cœur médiéval, cette grande forteresse historique avec les vestiges de la Sainte-Chapelle. Vraiment, il y a au cœur de cette ville, j'ai presque envie de dire, un retour au Moyen-Âge d'une certaine façon, tant il y a une belle conservation de ce patrimoine. Alors, c'est le retour au Moyen-Âge, euh, si l'on veut, mais tourné vers l'avenir. Euh, parce que nos vieilles pierres, si je puis me permettre de l'exprimer ainsi, euh, représentent l'histoire de Bourbon, mais euh, avec euh, tout le développement autour de cette euh, nature de pierre, mais la nature qui entoure également avec euh, tout ce côté bien-être. Et on ne peut pas euh, dissocier Bourbon des eaux, de, des pierres et la qualité de la vie et justement donc ce patrimoine médiéval que vous au niveau de la commune bien sûr que vous avez tendance à vouloir restaurer, encore mettre plus en avant pour véritablement attirer aussi bien sûr des gens pour découvrir cette superbe cité, on l'a vu au niveau de la forteresse, il y a eu beaucoup de travail qui a été mené tout autour de cette forteresse. Oui, euh, la forteresse donc euh, n'appartient pas à la commune, hein, ça appartient à la fondation Saint-Louis mais qui nous met à disposition et notamment c'est une association pour la mise en valeur du site du château des ducs qui œuvre pour accueillir les nombreux visiteurs, euh, environ 13 000 visiteurs par an, dont un, un bon nombre de scolaires, donc dans des visites pédagogiques euh, qui sont drainés par euh, les départements limitrophes. Bien, les écoles bien sûr de, de l'Allier, mais euh, beaucoup d'enfants de, viennent en classe et par leur classe avec leur maîtresse et reviennent à, euh, à d'autres occasions avec les parents, avec leur famille. Euh, 13 000 visiteurs par an, c'est bien pour Bourbon. Je parle de l'établissement thermal on vise les 4,000 curistes. et pour une petite commune de 2000, un peu plus de 2,600 habitants, il y a, euh, sans compter les touristes extérieurs qui viennent dans les différents hôtels, qui viennent euh, se reposer, nous avons beaucoup de gîtes, des chambres d'hôtes également, et euh, tout autour de bourbon, de nombreux hébergements, justement ou qui sont familiaux, et pas très loin, c'est-à-dire à 25 km, un petit peu plus même, euh, l'étang de Vieux, qui est une, un plan d'eau où il y a des structures d'hébergement également, où, si on aime la pêche, si on aime la nature. Et pour en revenir euh, à la partie médiévale de Bourbon, euh, cela crée un, un avantage, mais les inconvénient c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans la restauration des maisons autour euh, alors il faut surveiller on ne peut pas mettre du béton là où il y avait des vieilles pierres etc les fenêtres qui sont changées et eh bien il faut les, les mettre en accord avec l'architecture qui convient donc, euh, il y a beaucoup de travail, de surveillance et puis de conseils avant tout pour que le médiéval reste le plus possible euh, dans une harmonie pour la restauration des lieux et puis la vie du, du coin de la Sainte-Chapelle. Et ce, justement, cette forteresse, on a parlé bien sûr de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, puisqu'il y a la réhabilitation d'un certain nombre de salles et la volonté aussi de recréer d'une certaine façon, j'ai envie de vous dire, et d'animer ce, cette forteresse avec une ambiance véritablement de l'époque de ce Moyen-Âge. Voilà, euh, le château du XIIIe siècle, donc, comporte neuf salles. Qui sont aménagés. Alors, vous avez la chambre du Seigneur, vous avez euh, l'officine la, de l'alchimiste, vous avez la salle des gardes, vous avez la salle des bains. Euh, mais le mieux, je crois, c'est de venir, de passer à Bourbon et de prendre le temps de visiter euh, nos accueils, nos hôtesses, nos guides. En costume médiéval, seront ravis de vous faire visiter la forteresse et aussi peut-être de vous faire goûter la spécialité qui est l'hypocras. Donc à consommer avec modération, bien sûr. Après, vous irez au bain. Et bien sûr, vous l'avez compris, des activités tout autour de cette forteresse et naturellement au cœur de l'été, il y aura bien sûr de nombreuses animations et en particulier des spectacles son et lumière, Anne. Oui. Euh, je vous disais tout à l'heure qu'il y a de beaucoup d'associations, et entre autres euh, l'association Légendes et des Tours, qui euh, organise tous les ans un son et lumière, où bon nombre de spectateurs viennent. Et donc tout autour du château, les, les tours sont éclairées et place euh, au spectacle. Venez au mois de juillet et au mois d'août. Et on va parler donc effectivement de cet aspect nature, bien-être via le thermalisme. Au plein cœur de cette ville, c'est ce qui m'a également frappé. Euh, les thermes sont situés vraiment pratiquement en position centrale. On sent que c'est une activité essentielle ici à bourbon larchambault Tout à fait. Et dès que l'on sort de Bourbon, il y a aussi cette nature qui est très riche par le bocage bourbonnais. Avec le charolais, euh, nous avons notre, notre abattoir, la Sicaba. Et nous avons fêté les 40 ans l'an dernier de, de ce beau label. Donc, le thermalisme dans le centre de Bourbon, qui, est, qui fait la vie quand on voit les, les curistes se promener. Mais il y a aussi dans les extérieurs donc, le bocage où les vaches paissent, où le charolais est bien représenté. Et puis, à l'extérieur de la ville aussi, il y a l'hôpital, qui est un hôpital tout moderne, puisque nous avons fait l'inauguration en début d'année, euh, de cette année, et beaucoup d'autres attraits de Bourbon. Donc santé, thermalisme, qualité de vie, histoire de Bourbon, quatre pôles euh, très vivants pour le devenir de Bourbon. Nous sommes ici donc au Château Bignon pour vous présenter effectivement cette belle commune de Bourbon-l'Archambault. Cette qualité de vie, on la ressent véritablement à tous les coins de rue. Il y a énormément de euh, faune et de flore, bien sûr, avec une nature extrêmement luxuriante autour de nous, mais aussi, bien sûr, la possibilité de pratiquer du sport avec un complexe extrêmement complet, piscine, tennis, une grande salle polyvalente. On voit aussi que Bourbon-l'Archambault est tourné vers ce bien-être côté sportif. Oui, bien sûr, le sport euh, représente est bien représenté justement euh, par le, dans le cadre euh, de toutes les associations de Bourbon. Euh, piscine, vous l'avez dit, euh, gymnase, salle des sports et avec des compétitions, et le terrain de foot euh, où nous avons 220 licenciés en foot, ce qui représente. Euh, quand même un bon nombre. Mais il y a aussi le vélo, il y a un club de vélo, il y a moult, euh, si on veut rester dans le terme médiéval, moult activités. Euh, J'en oublie sûrement, mais il y a le yoga, il y a euh, la relaxation, donc dans ce château Bignon, mais il y a aussi euh, le tai chi, il y a encore bon nombre d'activités euh, sportives. Euh, il faut savoir que Bourbon euh, compte environ 60 associations différentes que ce soit du culturel que ce soit du sportif que ce soit du social et dans le culturel j'aimerais euh, citer le Nabab noyau d'animation de Bourbon-Larchambault c'est une association paramunicipale qui a vocation de faire découvrir euh, par des concerts, par du théâtre, par des activités culturelles, la qualité des, de tous les artistes qui viennent à Bourbon et qui ont le plaisir de ravir les curistes, les touristes et les locaux. Donc le mot d'ordre, je pourrais dire, de l'ensemble de la municipalité, c'est bien vivre à Bourbon, bien vivre dans sa qualité de vie et aussi euh, bien vivre tout court. Là où nous avons besoin de retrouver des valeurs, je pense que Bourbon peut offrir par l'histoire de son passé vers un avenir, une qualité dans le présent. Bourbon Larchambault qui accueillera donc le Tour d'Auvergne le 24 juillet prochain. Ce ne sera pas complètement une première puisque Bourbon Larchambault faisait partie des sites historiques lors de la première édition de ce Tour d'Auvergne en 2010. Là aussi, c'est un lien très fort qui est tissé aujourd'hui avec le comité d'Auvergne de cyclisme. Anne. Merci donc à la Fédération de venir prendre, choisir Bourbon-l'Archambault comme ville d'étape. Nous sommes ravis et nous mettrons en œuvre tout ce dans nos moyens pour pouvoir témoigner et vous souhaiter la bienvenue. Permettre aussi à tous les coureurs de découvrir notre ville, notre cité. Et puis nous avons eu déjà l'occasion, donc en 2010, de vous accueillir. Je n'y étais pas présente, mais c'est vraiment du fond du cœur, euh, au nom de l'ensemble du Conseil municipal et de tous les Bourbonnais en général, de vous accueillir de nouveau dans cette ville. Nous avons eu l'occasion l'an dernier de vivre la semaine fédérale avec un accueil de plus de 1500 cyclistes. Donc, euh, est-ce que le cyclisme sera bien représenté, je n'en doute pas, et continuer encore d'autres années. Soyez les bienvenus et merci d'être parmi nous. On va évoquer ce lien, bien sûr, entre Bourbon-l'Archambault et le Tour d'Auvergne en compagnie de Pierre Pouillet, le président du comité d'organisation de ce Tour d'Auvergne. Pierre, Bourbon-l'Archambault, on l'a dit, c'est un des sites historiques du premier Tour d'Auvergne, New Look, en 2010. C'est un endroit où vous aviez véritablement l'intention de revenir depuis un petit moment, quand même, je crois. Oui, oui, bien sûr, parce que le Tour d'Auvergne fait partie euh, des épreuves qui doivent à la fois valoriser le sport, mais mettre aussi en avant euh, toutes les qualités économiques, toutes les qualités touristiques, toutes les qualités euh, sportives, bien sûr, de mise en valeur des villes. Et je crois que dans l'équipe de direction de, du Tour d'Auvergne, on a un mot-clé, c'est celui de fidélité. Et je crois que Bourbon-Larchambault, lors de la dernière édition, qui était la première du renouvellement du Tour d'Auvergne, eh Bourbon-Larchambault nous a prouvé sa qualité d'accueil. Et lorsqu'aujourd'hui nous sommes reçus ici par Madame Leclerc, eh bien ce n'est que confirmation. Et je sais que nos coureurs, la caravane, les images, les médias sauront mettre en valeur cette ville qui, de toute manière, comme le Bourbonnais dans son ensemble, a un esprit cycliste fort ancré. Avant de détailler bien sûr plus précisément l'étape qui sera dessinée autour de Bourbon-Larchambault, eh on va préciser, ce 24 juillet, nous partirons de Bourbon-Larchambault, nous reviendrons à Bourbon-Larchambault, ce sera ville départ, ville arrivée, toute une journée de fête autour de cette commune. Tout à fait, cette année nous, nous innovons. Jusqu'à présent nous partions de, de Châtel-Guillon pour rentrer à Châtel-Guillon trois jours ou quatre jours après. Cette année nous partons de Bourbon-Larchambault et le grand... Feu de, de, de départ aura lieu dans cette ville et je crois devant la mairie où nous accueillerons tous les bour tous les comment dit-on les bour les bourbonnais les où nous accueillerons tous les bourbonnais le jour de ce vendredi vingt-quatre. C'est 151 km qui attendront les coureurs tout autour de Bourbon-Larchambault. Pour évoquer d'ailleurs cette étape, bien sûr, et ses spécificités, eh bien on va se tourner tout de suite vers Gérard Cabantou, Gérard, le grand dessinateur de cet événement. Gérard, qu'est-ce que l'on peut dire sur les spécificités autour de cette étape Déjà, dans un premier temps, je, je dois avouer que ça va être une étape fabuleuse. D'une part, par la qualité des routes, des routes très belles routes. Des, on passe dans des forêts qui sont magnifiques, des villages magnifiques, hérissons, et je ne les ai pas tous en tête, bien sûr, mais je reconnais que ça va être une étape de 151 km qui va se dérouler très très rapide, qui va être très rapide. Euh, on a eu des difficultés à trouver un grimpeur, donc on ne s'est pas embêté, on a fait un grimpeur euh, euh, devant la, sur le, au premier passage sur la ligne, puisqu'on passe deux fois sur la ligne. Et donc, euh, et puis une fois qu'on sera passé la première fois, on, on, on ira faire un tour de 12 km. Qui, 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 et après ce sera arrivé. Voilà. Mais bon, ce sera, ce sera une super étape, mais qui va se dérouler très rapidement. Je pense qu'on va dépasser les 42 km heure. Effectivement, ce sera l'une des particularités de cette première étape, un premier passage sur la ligne, une boucle de 12 km, ce qui sera là aussi, bien sûr, vous l'avez compris, un très beau théâtre pour l'ensemble des spectateurs qui pourront venir. Gérard, c'est aussi une des volontés de ce Tour d'Auvergne, de mettre en place cette boucle finale, ce petit circuit final, de manière à vraiment donner un aspect extrêmement festif à cette épreuve et à cette première étape. Oui, euh, dans, dans la mesure où, où euh, on arrive à trouver un circuit euh, qui nous permette de repasser une fois sur la ligne, c'est fabuleux, pour, aussi bien pour la ville que pour nous en plus. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui devient incontournable. Hein, la, la ville s'investit beaucoup pour nous recevoir, et je crois que quelque part on doit retourner, rendre ce qu'on nous donne. Donc, le fait de passer sur la ligne une fois, c'est déjà bien parce que ça permet aux spectateurs d'attendre d'arriver, de venir bien plus tôt et d'attendre d'arriver après. Voilà. L'objectif aussi de cette première étape, ce sera de poser les jalons pour la course véritablement. Est-ce que cette étape rapide pourrait faire déjà un premier écrémage au niveau sportif euh, À mon avis, je pense que celui qui prendra le maillot vert ici, puisqu'il y a de grandes chances que ça arrive au sprint, euh, je pense qu'il risque de garder le maillot vert tout, euh, tous les trois jours, pour les trois journées. Parce que le lendemain, dans un compte à montre, bon, ça va être compliqué. Euh, et les étapes suivantes, à mon avis... Euh, elles ne seront pas faites pour ceux qui ont des grosses, grosses cuisses. Et nous nous retrouvons donc dans le casino de Bourbon-Larchambeau. Nous avons le plaisir eh bien, de retrouver M. le maire, M. Yves Girardot. Yves, bonjour. Bonsoir. Merci bien sûr de nous accueillir dans votre commune, M. le maire. Nous avons vraiment découvert cette commune avec Anne Leclerc tout à l'heure, sous tous ses aspects. Euh, véritablement, on a mis en avant, avant toute autre chose, la qualité de vie ici à Bourbon-Larchambeau. Je suppose que vous êtes bien sûr parfaitement d'accord avec cette idée-là. Bourbon-l'Archambault, bon, oui, est une ville, est un petit bourg, oui, qui est très très agréable à vivre et à vivre. Aujourd'hui, nous allons donc avoir le plaisir, bien sûr, d'évoquer aussi ce Tour d'Auvergne. C'est là aussi une notion dans le bien-être, dans cette nature aussi luxuriante qui nous entoure, d'avoir cette notion de vélo, de sport, qui vous tient là aussi, je suppose, bien sûr, beaucoup à cœur. Bien sûr, le sport tient tient beaucoup à cœur. Moi aussi, en tant que médecin, aussi. Et puis le Tour d'Auvergne est un événement important pour Bourbon-Larchambault. Nous aurons le plaisir donc de faire une boucle tout autour de Bourbon-Larchambault, ville départ, ville arrivée de cette première étape du Tour d'Auvergne. Il y aura, je suppose, là aussi toute une fête, toute une logistique qui va se mettre en place autour de cette journée. Certainement beaucoup d'événements à mettre en place, certainement encore à définir, je suppose. Mais il va y avoir une véritable fête au cœur de Bourbon. Hein. On va faire une animation tout au long de cette journée pour qu'elle soit euh, vraiment festive et puis que tout le monde passe une journée agréable euh, pour cette étape du Tour d'Auvergne. Il y aura de l'habit, il y aura du plaisir en tout cas du côté de Bourbon-Larchambault dont nous aurons le plaisir de nous retrouver le vendredi 24 juillet pour la première étape. Et...